À tous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la pêche, que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle session. Alors, soit vous êtes sur YouTube, bienvenue à tous les gens sur YouTube, et bienvenue sur Behance, on va vous partager le lien pour nous rejoindre sur Behance. Alors aujourd'hui, je suis avec Nicolas Sénégas. Bonjour Nicolas. Salut, bonjour. Je dis bonjour à tout le monde dans le chat. Bonjour, alors Franck vient de vous partager le lien si jamais vous êtes sur YouTube pour venir nous voir sur Behance. On aime bien vous voir sur Behance, on peut regarder vos petits portfolios et tout. Et c'est plus simple pour nous de regrouper tout le monde là. Bonjour à Christian, bonjour à Greg, Jamila, Alexandre, Yves. Donc bonjour aux habitués. Ceux qui ne posent pas de message aussi, je pense à vous. Vous nous manquiez, mais on pense quand même à vous. Nicolas, je suis trop contente d'être avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? En quelques mots, je m'appelle Nicolas Sénégas, je suis photographe depuis un sacré bout de temps, voilà. Je sais toujours un peu, ça fait partie de l'univers et après c'est arrivé sur le devant de la scène complètement. Voilà, j'ai fait des études qui n'avaient aucun rapport avec la photographie, mais en fait ça se colle quand même à peu près à la photo et puis voilà, c'est juste moi, comme ça. Ok, et écoute, est-ce qu'on rentrerait pas dans ton portfolio On peut rentrer dans le portfolio. ouais, pour qu'on se rende compte un petit peu de ton univers. Alors, qu'est-ce qui est le plus simple pour vous? C'est toi qui nous promène, tu peux nous montrer. Déjà peut-être un aperçu global de ce que tu fais, comme ça on peut comprendre ce que tu fais. Alors, je vais vous mettre. Ah, trop cool. Hop. Voilà. Alors, ce que je fais, c'est, il y a plein de choses. C'est beaucoup d'humains, quand même, en photo. Hein, il y a très peu de paysages. C'est pas mal inspiré ou de la peinture classique ou de photographes classiques. Voilà. Enfin, l'univers et l'art est hyper large, donc forcément, on avance dedans. Et les modèles aussi nous offrent des opportunités pour pouvoir faire certaines photos voilà, qu'on qualifie d'uniques, c'est un peu ce mélange de tout ça. Après, voilà, il y a beaucoup. Moi, je suis vraiment passionné par tout ce qui est peinture classique, donc forcément, ça se ressent. Voilà, quelle que soit la forme, voilà, il y a toujours ou une partie plus, comment dire, plus icône religieuse dans ce cas-là. Ah, trop cool. Qui m'arrange parce que voilà, c'est toute une culture religieuse qui revient, mais parce que voilà, Occident, mais dans ce cas-là, qui est plus par rapport à l'estampe japonaise, Ouais. lié avec la culture des petits fantômes japonais, les yokai, voilà. Donc ça passe par là, ça passe par ce côté un peu des couleurs plus impressionnistes. Est-ce que tu vas souvent au musée, du coup? Oui, alors j'essaye, ces temps-ci, c'est compliqué. En ce moment, c'est Ouais, compliqué. c'est hyper compliqué. Alors oui, je vais souvent dans les musées parce que je m'aperçois que ce que l'on voit dans les livres, il y a toujours le filtre de l'impression et on n'a pas la réalité. En fait. On n'a pas la Ouais, réalité. carrément. Et puis les tableaux se voient dans leur taille, se voient dans un lieu. Alors des fois, certains tableaux sont extraits de leur lieu où ils ont été faits. Donc, tu as certains Caravage qui étaient faits pour des églises qui maintenant sont dans des musées. Et voilà, il y a certains trucs avec des perspectives qui sont faits suivant des accrochages, plein de choses que nous on voit différemment. Et je pense que c'est important de se rendre compte sur la réalité. Ouais, carrément. C'est comme un tirage photo. C'est bien. Moi j'aime des gros tirages en fait où on se confronte encore en fait. Voilà. Je plonge dedans. Je me souviens, tu sais, le sacre de Napoléon. C'est le truc qu'on a tous étudié au lycée à un moment, dans un bouquin petit comme ça. Je me rappelle, je suis arrivée devant mon Louvre, j'ai fait. Ah, mais en fait, c'est pas. Ah ouais. Et du coup, la taille, c'est. Tu te rends pas compte, en fait, que le machin. Quelle taille il fait, ce truc? T'as fait la même chose avec la Joconde. C'est quand tu vas Et devant. t'as le. Ah, mais la photo petite, en Ouais, fait! il y a souvent cet effet-là. Mais voilà, je pense que c'est hyper important de se renseigner, de lire, de rentrer dans les musées, et de se renseigner aussi sur les personnes, comment elles travaillent. En fait, les processus de création sont hyper importants parce que, on a l'impression que dans toutes ces biographies, c'est hyper fluide. En fait, que les gens savent directement où est-ce qu'ils vont, comment ils vont peindre et tout ça, et ça fait faire des complexes incroyables. Mais Ouais. surtout, c'est on comprend la démarche, la mécanique du travail. Et il y a des choses
sur lequel je ne me serais jamais rendu compte. Je l'ai lu, par exemple, voilà, j'ai bossé sur, je vous montrais la dernière série sur une série qui est sur le Caravage. Hop, voilà. Donc cette image-là, il est lumière, c'est très Caravage, machin, bidule. Ok, super. Donc je commence à faire, donc j'ai fait plein de photos, j'ai passé plein de modèles, il y en a plein qui marchent, et il y en avait qui marchaient pas. Et je me dis, ah, je comprends pas pourquoi, pourquoi la peau ne marche pas, pourquoi si, pourquoi ça. Et ça avait commencé la série avec une photo où donc je fais venir mon modèle. Et c'était marrant, c'était en plein été, après le déconfinement, tout ça, et wow, super, gros bronzage. Hein. Et il me dit, ah ben ouais, je passais la tondeuse, enfin voilà, on discute de notre truc tranquillou. Ouais. Je fais les photos, ça, je dis, wow, c'est trop Caravage, c'est trop bien, ça marche, génial. Je suis trop content. Ok, je prends un autre modèle et je fais des photos. Et rien, pas une lumière, pas du tout, les mêmes résonances de couleurs. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Et je m'aperçois, j'ai fait, et d'un coup, je calcule, je me dis, ah ouais, mais il n'a pas bronzé. Il a carrément pas bronzé. Et j'avais compris à un moment, en lisant la biographie du Caravage, qu'il prenait Attends, les. il fallait être bronzé pour faire. Tu vois, moi je me serais jamais dit ça. Tu as dit qu'au contraire, c'était la Et en peau fait, blanche et tout. c'est que le Caravage prenait ses modèles, c'était les gens de la rue, qui travaillaient dans Ok. les champs, des choses comme ça, c'était les gens qui avaient le bronzage agricole. Donc forcément, les lumières, elles claquent différemment que quelqu'un de bronzé sur quelqu'un qui n'a pas du tout bronzé. Donc j'avais pas du tout mes mêmes rendus. Donc Ah, c'est fou. toutes les photos qui ont été bonnes après du Caravage, ben elles sont passées à la fin de l'été. En fait, j'aurais dit OK, rendez-vous à partir d'août parce que en fait, vous aurez pris un peu de couleur, j'aurai des résonances un peu plus rouges, un peu plus sourdes, surtout au niveau des bouts du bout des bras, des choses comme ça. Et ça, c'était hyper marrant parce que je l'avais lu et pour moi, ça faisait partie genre de l'anecdote. Et en fait, du moment où on se confronte réellement à ce système de travail, on s'est dit, ah ben oui, effectivement, il y a ça aussi, il y a l'humain qui rentre en ligne de compte. Il y a l'activité humaine qui doit rentrer dedans pour qu'on le ressente. Sinon, ben, tu l'as pas. Ça, Ok. Ah, c'est hyper intéressant, c'est marrant. c'est... Ouais. Pourquoi cet amour de Caravage? C'est quoi qui te plaît autant dedans? Pourquoi? Alors, je trouve que ce qui est intéressant, bon, déjà, le travail des lumières est top. Vraiment ça. Ensuite, c'est venu, bêtement, il y a un tableau qui a été retrouvé pas mal de Toulouse il y a 4-5 ans dans un grenier qui a été attribué au Caravage. Je sais plus quel était d'ailleurs le nom du tableau. Et j'ai commencé à regarder un documentaire sur cette découverte, puis après sur les tableaux, puis après j'ai commencé à lire. J'avais été voir une expo qu'il y avait au British Museum, non, à la National Gallery à Londres, sur le Caravage. Enfin, voilà, ça fait partie de, je sais pas, il y a des tocades. À certains moments, on a un truc, tiens, ça c'est super. Et voilà, et on récupère des éléments et on essaie de le comprendre, d'en faire quelque chose, d'en faire autre chose aussi. Voilà, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est-à-dire que, bah, on prend les éléments, on les mâche, et puis quand on les sort, et bien, des fois on dit, tiens, ça me fait penser à. Ouais. Où on tire vers là, où on a ce petit truc, voilà. Là, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, ben, par exemple, la photo que vous voyez, il y a le s'appelle de Lament of Icarus, qui est un tableau d'un peintre anglais, Draper, je crois. Je n'ai jamais vu ce tableau. Et en fait, quand on voit le tableau, je me dis, ah, c'est marrant, les ailes ressemblent vachement à ce positionnement. Donc, je me dis, est-ce que j'ai pas déjà vu ce tableau quelque part avant? Pour finalement placer mes ailes par rapport à ça. Enfin voilà, il y a tout ce qu'on reçoit en fait, toutes ces informations, on a une sorte d'entonnoir. Et à partir de là, ben on le ressort en se disant, ben voilà comment je ressens la chose, voilà ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. Et je trouve ça top quoi. Ouais, carrément. Bah, je vous invite à aller voir aussi la session qu'on a fait avec Kai Chou. Kai. Je pense que Franck va vous retrouver le lien et va vous le partager. Qui adore Caravage aussi et qui fait plein d'autoportraits où elle se multiplie et elle fait tous les personnages des tableaux en même temps. Donc allez voir ça, c'est rigolo aussi. C'est marrant que ça soit une référence aussi classique que je revois aussi souvent chez des créas modernes. À ton avis, pourquoi? Bon, après, les thématiques sont fortes. Ouais. Sur des thématiques, la mythologie grecque, ça rentre en force dans l'inconscient. Enfin, voilà, tout ce qui est, toutes ces thématiques-là sont hyper marquées. Là, je vais vous montrer une photo que je suis en train de travailler. Que même la modèle n'a pas vu, elle va le voir en direct. Ah là là. Ouais. Mais voilà, c'est en cherchant, il y avait un truc, c'est le mythe d'Eurydice. Cette femme qui se fait mordre par un serpent et qui part en enfer. Voilà. Et là, l'idée, c'était de travailler sur
aller chercher des petites choses comme ça, voilà, travailler sur des mythes, des comment ça s'appelle, des ficelles intéressantes. Dans le cas de cette image-là, le côté Icare me convient très bien en fait aussi, parce que pour moi on est dans de la mythologie, il n'y a pas un côté situé de la mythologie, voilà. Tout le monde se retrouve dans la mythologie, donc je pense aussi, voilà pourquoi ça parle à tout le monde. C'est qu'on a tous un quelque chose qui nous y relie, notre culture déjà, ce qu'on a appris, l'enfer, le ciel, le machin, tu vois, voilà. Ouais, carrément. Mais c'est marrant de voir ton point de vue sur ça comparé à celui de Kaï, parce que elle est passionnée par Caravage, mais elle est hongkongaise. Donc pour le coup, elle a pas du tout les mêmes la même culture, elle a pas grandi dans le même truc et tout. Donc c'est assez marrant de voir ce qu'on prend d'un même artiste, quoi, qui est assez différent. Alors attends, je regarde si on a des questions dans le chat. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Bonjour à Valentina, Christophe, Cindy, Alice, Francine. Des bisous à Lord Mums, Mélocoton, Jamila, Camille. On a plein de gens aujourd'hui hein, qui suivent. Trop bien. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vraiment. Voilà, Lord Mums dit le Caravage. Le Caravage est l'un de mes artistes préférés. Décors illuminés, des compos complexes, etc. Ouais. Les raccourcis sont hyper cool dans le positionnement des mains. Ben, c'est chouette, il se passe toujours quelque chose. Et puis moi j'aime bien ce côté où il se passe quelque chose dans l'ombre. Ça, je trouve ça chouette, parce que ce sont des peintures. Quand on pense au Caravage, on pense autant à une lumière éblouissante qu'à des ombres. Ouais. Et c'est ça qui est chouette. Après, ça va me passer. Hein. Au bout d'un moment, ça va être, je le mettrai derrière, ça va me passer, il va passer sur autre chose. Mais voilà, après, je sais pas, c'est des points de départ. Je dirais que c'est des points de départ de travail. Ok, ouais, carrément. Comme toutes les photos que j'avais faites avec les personnes dans l'eau, ben, c'était des points de travail, des points de départ de travail. Ah oui, ben montre-nous. Tic-tic-tic, on est là. Voilà, c'est ce qu'on se disait en ligne avant, c'est que en fait, moi je connais ton travail depuis des années. C'est des séries, j'étais tombée dessus sur Pinterest, mais t'as fait ça il y a combien de temps? Parce que du coup, je pense que c'était il y a 5 ou 6 ans. Ouais, je pense que... Ouais, c'est ça, marrant, il y a 8 ou 10 ans. Et c'était fou, par rapport à Botticelli. Et en fait, le truc qui était super dans ça, c'était que moi, j'avais adoré comment ça se faisait que l'eau renvoyait la lumière du réflecteur, comme ça. Et ça givrait tout, en fait. C'était comme si on était entre le givre, la gelée. Enfin, il y avait un truc qui était... hyper spécial et qui me plaisait, où on retrouvait l'eau en fait, où on voyait les lumières, on voit c'est fait dans la salle de bain, en fait c'est fait dans la salle de bain avec quelqu'un qui tient un réflecteur au dessus pour pas que la lumière tombe dans l'eau, sinon j'ai l'électrocuté la modèle, la modèle qui s'étouffe à moitié dans l'eau parce que ça marche pas, donc il suit au dessus pour pas que je tombe non plus, enfin, et avec tout ce mélange là, ben on arrive à ça quoi, et j'avais trouvé ça génial. Ouais, c'est trop bien. Ouais, carrément. T'avais mis quelque chose dans l'eau pour que ça soit un peu laiteux comme ça? Tu viens de me tromper. Oui, du lait. Oui, moi j'ai déjà fait un shooting comme ça, j'avais mis du lait dans l'eau. Après avoir vu tes photos sur Pinterest, c'est trop marrant. Alors, j'ai pas créé le lait dans l'eau, ni la lumière dans l'eau, ni l'hydrophénie. Ouais. Non, enfin, pareil. Moi j'ai vraiment regardé Botticelli, comment il faisait pour avoir ses cheveux qui planaient. Je me disais, mais c'est dingue, jamais j'aurais ça, à moins de mettre un sèche-cheveux, mais ça va faire quoi, un truc à la Céline Dion, hein. Non, c'est pas ça, en fait. Moi, je voulais que ça plane, mais je voulais qu'il y ait ce poids, cet enroulé, en fait. Et voilà. Et donc, et après, j'ai trouvé des fleurs, donc il m'a fallu, c'était des fleurs fanées que j'ai trouvées, que j'ai fait sécher, reteinter. Mais, et voilà. Et j'ai fait d'autres sessions et ça n'a pas marché. Encore, la carnation de la modèle qui marchait. Les éléments, les couleurs. J'arrive pas à tout maîtriser, en fait. Tu voudrais tout maîtriser? Tu penses que c'est important? Je pense que ça me calmerait au départ et après je prends la ligne totale parce que, bah, en fait, bon, ben voilà, pas de surprise. Ouais. Que les meilleurs moments, c'est quand on a une super surprise qui arrive. Ouais, carrément. L'équilibre entre le contrôle et laisser partir, il est hyper. Ah ouais, moi je suis hyper admirable des gens qui relâchent total. C'est-à-dire qu'ils commencent à se dire, tiens, on va faire une photo, on part un peu avec ça, et puis ça s'enroule, et je suis dehors, alors, comment ils arrivent à avoir autant de lâcher prise, autant de sérénité, comment. Je passe pas toujours des super moments, en fait. Enfin, les débuts de séance photo, c'est pas un super moment de détente, voilà. Ah, je serais curieuse de savoir comment ça se passe
pour les gens de manière générale. Si vous êtes photographe et que vous faites des trucs un peu dans ce style-là, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe pour vous? Est-ce que c'est de la détente ou c'est de la panique absolue? Moi, c'est de la panique absolue à chaque fois. Donc, allez. Alors, j'ai vu, il y a Franck qui dit ça me fait penser à Nick Cave et Where the Wild Roses Grow, mais en Ah, plus dépouillé. Ouais, il était trop beau je ce n'ai clip. pas qu'à Minogue pour ce coup-là, donc c'est dommage. Mais Ouais, mais franchement, ça, c'est. La chanson était cool. Enfin, je me rappelle du clip plus que de la chanson, je crois. ouais, mais là, la chanson est top. Nickel, c'est très bien. Allez. Alors, j'ai une question qui commence à revenir. Alors, de Andy, il dit Love the special effects. How are they done? Alors, bienvenue aux anglophones. Ils nous regardent remuer sans nous comprendre, tu crois? Ah non, c'est bon. Il est là aussi en français. Comment sont-ils réalisés les effets spéciaux? Et voilà, du coup, moi, je me demandais, est-ce que tu parles de ça depuis tout à l'heure, que tu fais tout à la prise de vue? Ouais. Et alors, tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, ça dépend. Le petit mouvement fanatique. En fait, ça dépend. Ça dépend du besoin. Ça dépend aussi des effets de réalité. C'est-à-dire que j'essaye de mettre vraiment un maximum de choses à la prise de vue. Voilà. Il y a eu au tout début, je faisais de la photo. C'était vraiment de la technique Photoshop. Voilà. J'étais vraiment à fond de pouvoir faire du. Ça rattrapait tout en fait, Photoshop au tout départ. Ouais, Je carrément. pense que j'avais Est-ce plein que tu de. peux nous remettre ton portfolio en même temps comme ça, Ouais. on peut regarder tes images bouger. Là, il n'y aura pas des masses de choses retouchées. Il y a quelques petits trucs, mais pas Ouais. des masses de choses retouchées. Mais des petits trucs. En gros, voilà, l'idée de la prise de vue, c'est de faire au maximum ce que l'on a. C'est-à-dire que les ombres, c'est hyper compliqué, c'est ce qui donne la cohérence aussi. Les ombres et les lumières, évidemment, ce qui donne la cohérence dès qu'on fait de l'ajout. Dans ce cas-là, par exemple, dans le cas de cette blessure-là, hop, voilà, ça c'est de la post-prod. Clairement, Ok. c'est fait sous Photoshop, mais je vais me renseigner, voir comment on fait une blessure, comment ça marche, comment j'ai de par mon passé, j'ai pu voir un peu comment travailler certaines blessures, des choses comme ça. Donc ça m'a permis, je m'oriente avec de la référence, mais je me dis bon, mais là parce que je ne peux pas le faire sur le modèle où je pourrais demander un maquilleur FX, mais pour cette prise de vue, bon, c'est pas utile. Après, dans le cas des ailes du Caravage, au début, je me suis dit, tiens, je pourrais faire des ailes. Je pourrais les fabriquer. Alors, je n'avais pas la patience à ce moment-là. Donc, là, il va faire les ailes. Et ensuite, au bout d'un moment, je me suis dit, mais le Caravage, quand il faisait des anges, est-ce qu'il prenait des mecs, il leur collait des ailes ou pas? Non, en fait, là, dans ce cas-là, il faisait la pose avec le personnage, il anticipait un peu le mouvement qu'il allait avoir. Et là, j'ai acheté sur une banque de données des ailes en 3D, j'ai refait la 3D dessus. Une fois que j'ai placé ma 3D, de là, j'ai remis mes lumières, je l'ai amené sur Photoshop, et là, avec Photoshop, j'ai recommencé à travailler les textures et à repeindre dessus. C'est pour ça, alors, on va essayer de zoomer un peu dessus. Donc c'est le maximum possible en prise de vue. Et après, voilà. Et par exemple, là, la lance, ok, c'est de la 3D, mais le sang est repeint Ah, complètement. c'est cool, hein. Voilà. C'est marrant, il y a tout qui se mélange hyper bien, quoi. Et ce qui était intéressant, voilà, et c'est, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est ce côté un peu effet spéciaux rigolo. C'est-à-dire qu'on se dit, ben, si une flèche plante, ça se relève. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette lumière, cette légère lumière blanche ici, qui donne Ouais, le. ça a créé une tension. Voilà, c'est ça, c'est des trucs en fait sur lesquels ben, j'essaye d'y penser, je pense pas tout le temps, mais j'essaye de me rapprocher, d'avoir de la référence pour pouvoir travailler et trouver les idées. Là, ça donne envie de faire des références. Tu sais, tu regardes des références de piercing qui sont en train de faire des rejets, tu Ah oui, c'est ça. vois? Voilà, et c'est comme ça que je bosse au départ. C'est-à-dire que j'ai ma photo initiale, je fais mes petits dessins, clac, 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 sur la photo pour que je puisse l'importer sur un logiciel de 3D pour placer mes ailes. Une Ouais. fois que c'est fait, plaque, j'exporte, et à ce moment-là, ben, bon, vous voyez, la flèche, elle est plus là, elle a bougé, finalement, décision finale, ça a bougé. Ouais, carrément. Non, Mais c'est voilà, trop bien. ça me permet un peu de m'orienter, même la position des ailes. Au départ, je les voulais vers le bas, comme ça, là. Hop. Je m'aperçois qu'en réalité, ben, ça fait un mouvement qui est très particulier, c'est pas naturel, on n'est pas dans un cassé d'ailes, il serait pas de cette manière-là. Donc, j'ai regardé des photos d'oiseaux, comment ils replient les ailes. Anatomiquement, ça marche pas. Donc, le mieux, c'est finalement de revenir là. Est-ce que du coup, tu es hyper critique de ton propre travail? Oui. Non, oui, carrément. En fait, c'est horrible. C'est horrible de revenir en arrière, c'est horrible.
de se dire, cette image-là, j'ai passé un mois et demi le temps de comprendre comment le logiciel fonctionne sur de la 3D, comment faire les couleurs pour que ça marche, pour que je me rate 100 fois sur les ailes. Ok. Pour que j'ai lâché 10 fois, je sortais à 2 heures du mat de mon atelier, j'en pouvais plus, je revenais le lendemain, c'est sans arrêt. Et il y a des moments, c'est plus. Et parce que ça me va jamais, en fait, ça me va pas. Donc voilà, je Du coup, finis. c'est quoi le secret? C'est l'acharnement? Dans ce cas-là, je suis pas mécontent de m'être acharné. Ouais. Mais le secret est quand même, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est de garder l'énergie d'une prise de vue. C'est-à-dire que, ben, quand on fait la prise de vue, il se passe quelque chose. Il y a une énergie, on se dit, tiens, ça, il faut que je le garde. Est-ce que j'ai encore la niaque pour aller vers cette idée-là? Alors, ben, moi, je mets de la musique ou des choses comme ça, que je réécoute quand je fais ma photo en me disant, hey, c'était ce truc-là, j'étais dans cette énergie-là, c'est chouette. Et tant qu'on garde l'énergie, ça veut dire que notre image, elle est pas trop mauvaise. Et donc, à partir de là, on peut toujours travailler dessus. Si on s'épuise sur l'image, je pense que elle va pas durer longtemps, peut-être. Ok. Voilà. Il y a des trucs sur lesquels je me suis épuisé. Et finalement, ben, ouais, ça n'a pas duré des masses. Et Ça là, ne valait pas la peine. j'ai d'autres trucs où il y a un mélange retouche et pas de retouche. Ça, c'était hyper intéressant parce que, voilà, là, il n'y a pas de retouche. Ok. Mais pour faire le côté les yeux aveugles, c'est hyper intéressant de travailler sur le positionnement des mains. Voilà, ça fait un peu effet spéciaux, film de la Hammer, quoi, où on traficote un peu comme on peut. Celle-là, il y a de la retouche, légèrement, sur les yeux, pour qu'ils soient plus blancs. Ok. Voilà. Là, je me dis, bon, je peux aller plus loin. Il y a plein de petites choses, en fait. En fait, c'est cool quand on ne sait pas où est la différence, la limite, la frontière entre Ouais, bien le sûr. réel et un truc que tu as retouché, quoi. C'est ça. Voilà, là, c'est, par exemple, c'est très mythe de Saint-Sébastien. Saint-Sébastien, ouais. Mais côté avec l'histoire des flèches, c'est top. Et puis j'aime bien le fait que le personnage ait une structure corporelle classique, avec une pose classique, le côté tatouage, il a un visage assez strict. Et ça passe carrément, en plus. On est vraiment. C'est ça qui est chouette, c'est dès que le modèle est là, dès que tout est là, je ne sais pas par quelle magie, ça se passe. Et je trouve ça d'enfer. Ça vraiment d'enfer. Et c'est ce que à chaque fois on essaye de répéter avec la baguette magique que l'on n'a pas dans les doigts. De recréer ce moment, quoi. Ouais, carrément. C'est trop bien. Et bah moi j'ai une question du coup, c'est qui tes clients? Est-ce que c'est juste enfin juste c'est au nom de l'art, tu fais tes Alors, créas pour toi, pour qui comment? y en a plusieurs. Je travaille avec une galerie, The Little Ouais. Black Gallery, dans laquelle plusieurs photographes nous avons. Il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Girls, Girls, Girls. Tous les fonds vont pour une fondation pour le cancer de ça, c'est trop chouette. Je travaille avec cette galerie. J'ai travaillé pour un bijoutier pendant un temps. Je travaille avec des décorateurs, c'est-à-dire les héritiers, qui sont sur Lyon, qui sont aussi des amis, qui sont très chouettes, sont des gens très humains et qui encouragent et qui m'ont avec qui sur lequel j'ai travaillé sur un hôtel à Paris, sur des photos, l'hôtel de la Lanterne, avec des photos de Paris et de Lanterne. Avec lequel on a des interactions artistiques, c'est-à-dire que ben, il y a de la commande évidemment, mais il y a aussi il y a des affinités et c'est des gens en fait on est je crois que ce qui en ressort de ça c'est la notion d'humanité en tant que tel. Ce sont des gens qui sont très humains avec qui en fait notre discussion est entrée, on est rentré en discussion quand on allait sur des vide-greniers, on parlait des objets, comment les gens les avaient travaillés. Et de là, ben, on s'est aperçu que ça fonctionne. Et l'art, c'est ça. En fait, c'est tout ce qu'on met derrière. C'est tout cet humain qui est là, ce truc-là. C'est ce moment-là qu'on regroupe, en fait. Ce point en bas de l'entonnoir. Et donc, voilà. Donc, je travaille avec eux pour de la commande de temps à autre. Pour juste l'art, parce qu'il y a des choses, il faut que ça sorte aussi. Donc, je les sors. Et là, des fois, j'ai des particuliers qui m'achètent des images. J'ai des gens qui me demandent des shoots. Pour eux, alors voilà, je monte un shoot pour eux, et quand je monte un shoot pour eux, il y a toujours ce qui m'importe, c'est je sais pas ce que la personne cherche en fait à travers mes images, mais moi ce qui m'importe, c'est qu'il faut que l'image dure, il faut qu'à ce moment-là, ce soit c'est hyper prétentieux de dire ça, mais que ce moment reste éternel pour moi, entre c'est-à-dire qu'il y a voilà que ce soit la personne, mais qu'il y ait une image.
Je peux faire, hein, je peux faire du portrait comme ça. Ok, ça m'arrive. Mais je, des fois, je me dis, ah, tain, on pourrait aller plus vers là. Et voilà, moi, je cherche toujours à aller vers sortir une image. Je veux que l'image vive avec ou sans la personne. En fait, voilà, que quand on soit devant, il se passe quelque chose d'universel, une icône presque. Voilà, quel que soit le modèle. Mais... Donc, un peu tout bon. Je travaille pour plein de gens. Ok. Alors, tu nous as parlé de ton projet quand tu vois, tu disais que tu retouchais un petit peu des choses, mais de ton projet Blade Runner, là. Ouais. Est-ce que tu peux nous en reparler un petit peu? Parce que là, pour le coup, c'est de l'acharnement de trucs, de prise de vue de la vraie vie, quoi. Ouais. C'est trop marrant. Ouais, c'est rigolo. Alors, en fait, moi, j'ai toujours... déjà, Blade Runner, hyper cool, esthétique 60s, enfin, 60s, 70s, avec tous les personnages, est cool. Le roman de Paddy est chouette, c'est un film qui a été retourné 1000 fois avec d'autres fans, des director's cut, à la fin on s'aperçoit que c'est une histoire qui s'imbrique dans une autre, mais c'est top, et j'ai toujours aimé, en fait, j'aime bien faire l'effet en direct, donc ce temps-ci je travaille sur avoir cet œil dilaté qu'ont les réplicants, et dans lequel on a la résonance de la rétine, voilà. Donc, c'est un système, j'ai été voir des tutos, des machins, des Scott a expliqué comment les caméramans faisaient, c'était un système, il fallait que la lumière parte de l'objectif. En gros, c'est ce qui arrive quand on pointe son chat avec sa lampe torche et qu'il le regarde avec ses deux yeux verts, là. Ouais. Et voilà, et donc il y avait cette explication comme quoi il fallait qu'on tire la lumière à 90 degrés de l'objectif dans un miroir centaine pour que ça parte directement dans la poire du modèle. Ah ouais, alors montre-nous des images pour que les gens se rendent compte un petit peu de quoi on parle. Voilà. Alors, ouais. C'est des tests, c'est pas beau. Mais alors, en fait, on a passé 5 heures avec le modèle à essayer de voir où est-ce que je pouvais avoir cet effet de rétine, en fait. C'est fou. Est-ce que ça fait mal aux yeux? Alors, si il regarde réellement vers l'appareil, oui. Ok. Dans l'idée, l'idée, c'est pas que je rende aveugle mon modèle. Oui, l'idée, c'est pas de tuer des gens, on a déjà parlé de ça. Hein. Ça. Mais voilà, donc là, pour le moment, je suis. C'est vraiment l'effet yeux rouges qui foirait sur tous les appareils jetables quand on était ado. Oui, c'est vrai, ça. À vous, il était partout. Mais ouais, ben voilà. Il y avait des appareils avec. T'avais l'effet anti-yeux rouges. Ouais. Il envoyait plusieurs petits flashs, comment ça s'appelle, la pupille se serrait. Et à ce moment-là, en fait, on avait un œil rouge, mais tout petit. Oui, c'est trop bien. Mais voilà, c'est chouette. Et voilà, je cherche ça. Ça, c'est ma première base de recherche. Donc vraiment avec ce côté où on voit Mars dans les yeux, quoi. Et ça, vraiment... Oui, carrément. Ok, ça c'est cool. Mais ça, on va dire, c'est le trick. Maintenant, il va falloir que j'arrive à modeler mes lumières. Donc il va y avoir une deuxième séance de shoot avec le même modèle parce qu'il est fort gentil et qu'il est hyper patient. Alors c'est cool et puis c'est un copain dans sa cave. Ça fait une lumière vraiment chouette. Pour arriver à modeler les lumières. Mais en fait, au premier shoot, on s'aperçoit tous les paramètres qui foirent. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des vrais angles, des vrais parallélismes d'écran et de miroir. Enfin, voilà, sorti de là, j'étais rincé. Alors, est-ce que c'est important pour toi? En fait, tu vois, j'ai une question. Pourquoi c'est important pour toi de le faire à la prise de vue? Parce que tu vois, maintenant que t'as ta matière pupille, là, tu pourrais très bien aller la coller sur. Ouais. Peut-être un autre jour, tu vois. Ouais, bien sûr, je pourrais le faire. Mais alors, il y a la question, il y a la notion d'énergie. Déjà, ça c'est le premier truc, c'est que la notion d'énergie, c'est-à-dire qu'à la prise de vue, dès que tu commences à arriver à avoir quelque chose qui te semble, où tu as un fil conducteur et une grande ligne, c'est trop cool. Enfin, ta photo, c'est une sorte de tunnel là, pour bosser, pour aller dans tous les sens. Et on dirait que tout se recharge dans ton image. Et t'as plus qu'à laisser exposer le truc, et il y en a encore sous le pied, mais tu peux pas tout sortir. Tu auras une partie, et tu le ressens, et ça, c'est chouette. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je crois que j'aime bien un petit peu la notion de contrainte. C'est un peu comme le code Hays avec Hitchcock. C'est-à-dire que, plus ou moins avec ta contrainte, tu vas être obligé d'aller chercher d'autres sources pour te développer, et pour trouver, dire, OK, là, ça marche pas. Alors, si vraiment j'en peux plus, j'arrive à un point où genre j'arrive pas, bon, mais peut-être que je me résoudrai à faire un peu de Photoshop dessus, mais alors que c'est cool. Mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est quand même d'essayer d'arriver à ça parce que ça me pose des questions.
Et ça m'oblige d'aller revoir le film Blade Runner, d'aller relire, d'aller chercher des informations. Et ça, c'est mon prochain film pour peut-être autre chose plus tard. Mais okay. Voilà, enfin, je sais pas, c'est il y a des choses qui sont fondateurs. C'est couillant, hein, j'ai revu Blade Runner le tout premier. Je l'ai trouvé quand même long. Et pourtant, je l'aime toujours autant. Mais il y a quand même des longueurs. Mais franchement, je vois autant je trouve ce film magnifique, autant j'ai jamais réussi à pas m'endormir devant. Je sais pas pourquoi. Tu vois, alors que putain, qu'est-ce qu'il est fou, quoi. Eh ouais, c'est ça. Tu vois, c'est marrant. Tu vois, c'est tellement dense, tu vois, que tu prends un truc dans la tête, tu fais oh là. Oh. Ouais, c'est ça. Et c'est comme si tu prenais des éclats de densité et entre temps, il te mettait une longueur incroyable pour relâcher ou t'endormir, je sais pas. Mais non, mais voilà, c'est je trouve ça chouette parce que tu te replonges dans des choses, dans des esthétiques, dans des cultures, et c'est pareil. Enfin, moi je vois ça comme une recherche, comme quand tu vas dans une brocante ou tu fais de l'archéo, un truc comme ça. Tu refais vivre tout ça et tu le remets et t'es en train de l'assimiler. Et c'est tu reprends de l'humanité entière qui revient. En fait, t'es un vecteur. Ça, je trouve ça hyper hyper rassurant, hyper sécurisant humainement, de se dire que on n'est pas le centre du monde, mais juste un élément au milieu de tout le reste, on fait un peu notre chemin au milieu. Voilà, j'adore, c'est cool. Ouais, carrément. C'est marrant, tu sais, quand je refais un petit peu mes objectifs là pour 2021 et tout, et souvent tu vois, on te dit de définir ton pourquoi. Pourquoi tu fais les choses. J'ai l'impression que chez toi c'est hyper fort, quoi. Je sais pas. Là, franchement, alors là, je ne sais pas. Tu veux ? Non, je sais pas. Je crois que il y a des trucs en fait, mais on est tous pareils en fait. Il n'y a pas de. Il y a des œuvres sur lesquelles on est tous en admiration. Voilà. Et ça, c'est pas des gens qui sont plus ou moins sensibles à ça. Après, on développe certaines sensibilités à certains trucs, mais il y a des choses, c'est comme ça, et je trouve que c'est tellement fort, c'est tellement chouette d'être dans ça. C'est comme si on était, il y a le cosmos et nous, quoi. On est tout petit et il y a des œuvres qui sont monumentales et c'est cool de vivre avec ça et on y repasse devant et on a toujours la même sensation. C'est une sensation infinie, en fait. C'est au-delà du mortel, presque. C'est ça qui me plaît. Ok. Et en plus, ce qui est cool en photo, c'est que c'est des humains, donc c'est très mortel, donc c'est chouette. Voilà, ça s'affronte, c'est top. Est-ce que tu nous montrerais pas plus d'images en grand, plus quand même, ouais, nous plonger un peu dans les séries. C'est ça qui a lancé l'idée de Blade Runner à la base. Ok. Voilà, ce truc-là. Ça, c'est complètement retouché sur Photoshop. Fait les yeux, la prise de vue est quasiment telle quelle. C'est fait avec un petit spray pour avoir les gouttes d'eau. Et voilà, il y a assez simple, et c'est ça qui a lancé Blade Runner, parce que ça lui faisait penser au personnage final de Blade Runner qui s'éteint, ouais. Qui fait une sorte de tirage. Voilà, j'adore ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, de cette série, il y avait ça aussi, qui résonnait. Là, c'était marrant parce que, en voyant le perso sur ça, ça me faisait penser aux photos de Roger Ballen, qui a ce côté un peu d'Iron Ward, un peu étrange, strip. Cool, voilà, ça j'aimais vachement. Et est-ce que pendant que tu nous passes des images, tu pourrais du coup nous parler de des études que tu as fait et de ton parcours? C'était ce que tu nous racontais un petit peu avant. J'ai fait des études d'anthropologie, donc j'étais spécialisé dans les rites, enfin, dans l'interprétation des rites funéraires et surtout en Yakoutie. Ça veut dire que en fait, les rites yakoutes, c'est immense, et sont des rites avec plusieurs étapes. Et moi, mon sujet de doctorat, c'était de pouvoir comprendre comment certaines sépultures étaient montées, parce que c'était hyper compliqué. Il y avait des pillages, il y avait plein de choses. Donc, je suis parti deux fois en Yakoutie chercher des momies, travailler avec des archéologues, et regarder les tombes, les étudier. Il y avait des autopsies faites sur les personnes qui étaient fouillées. Et à partir de là, on essayait de reconstruire toutes leurs histoires. Et c'était des vraies rencontres humaines. Et c'était de refaire vivre des gens et refaire vivre une histoire. Et je trouvais ça fascinant.
Alors, l'expérience en tant que telle est hyper fascinante, parce que là, on apprend qu'on est un petit bonhomme qui est en France et qui sait pas faire du feu quand il pleut. Mais donc là, hop, ça nous remet déjà dans une position où on n'est pas grand-chose. Quand on vient se confronter, dans ce cas-là, au monde des morts, mais encore moins de choses. Quand on est confronté à la grande Sibérie, tout seul, perdu dans la steppe, avec juste 10 personnes et des Yakoutes, heureusement, qui étaient là, qui connaissent leur milieu, on est encore moins de choses. Et on n'accomplit pas grand-chose, on avance un petit peu, on essaie de savoir. Et en fait, on est que dans l'humain. On est dans l'humain, dans sa mythologie, dans ses croyances. Et c'est fascinant, fascinant, quelque chose comme ça. Et ça, et pour moi, c'est... Enfin voilà, quand on était face à certaines momies, c'était des œuvres d'art. Déjà, la plupart des femmes étaient enterrées avec leur tenue de mariage, avec des perles dans tous les sens. Donc, quand... Enfin voilà, il y avait un travail des personnes, il y avait cette notion-là, ça devenait... on refaisait vivre tout. Je trouvais ça incroyable. Et en photo, c'est ça que j'essaie d'attraper, en fait. Voilà, ce qui se passe, les moments où est-ce que... Chercher l'humain, quoi. Même dans ça, voilà, même tout masqué, aller chercher l'humain, la matière derrière, j'adore. Ça, c'est du portrait fait dans la rue, qu'une personne, voilà, qui a accepté de poser pour moi. Et pareil, l'idée, c'était d'être vraiment, je crois qu'il y a une photo qui est assez, qui me plaît particulièrement, c'est celle-là, parce que c'est un face-à-face, hyper simple, voilà. Et, c'est une discussion, c'est quelqu'un, c'est la personne, elle est là, elle est pleinement là. Et ça, c'est chouette. Regardez ce que je peux vous montrer d'autre. Ça va. Ouais, carrément. Donc, ça, toi, ta passion, c'est. Est-ce que tu peux dire que ta passion, c'est l'humain avant la photo, tu vois? C'est. Je sais pas. En fait, la photo, c'est un médium. Mm. C'est un médium, peut-être je saurais pas, non, je m'aimerais, mais, l'humain déjà est incroyablement complexe, incroyablement surprenant, peut être décevant, mais il y a toujours quand même quelque chose de, il y a toujours l'incroyable derrière l'humain, ce côté où il arrive à faire quelque chose, une ingéniosité, une subtilité qui est qui me fascine et qu'on retrouve dans les tableaux et qui est dans le tableau et qui est dans ce que représente le tableau aussi. Et en même temps, il nous connecte au monde entier. On n'est pas séparés de l'univers et donc tout ça s'imbrique. Donc oui, c'est l'humain parce que je suis peut-être humain et que plus facilement, eh ben voilà, il y a des choses qui me parlent et je fais ce dialogue d'humain. Mais je crois que c'est plus le corps, c'est le placement, c'est l'esprit aussi. Voilà, c'est l'esprit de l'humain, voir ce qu'il est. C'est ça que je cherche, en fait. C'est quoi le rapport avec tes modèles? Est-ce que tu prends des modèles, des vrais gens? Les deux. Des vrais gens. Les modèles, c'est des vrais gens. Mais tu vois ce que je veux dire. Par exemple, ben là, c'est Léna qui est. C'est une vraie personne, mais non, voilà, c'est elle a une expérience de modèle, elle sait aussi se placer, et ça c'est top d'avoir cette possibilité là. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont certaines clés pour pouvoir travailler plus facilement en échange. Voilà, c'est comme ça que je vois la chose. Je travaille des fois avec des personnes que je croise dans la rue. Il y a toujours aussi la complication de se placer en photographe, de dire voilà où est-ce que je veux aller, ce qui est possible. Si la personne est confortable avec elle-même, si c'est pas une intrusion, enfin tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. J'ai pas réellement de choix, j'ai pas de préférence, parce que des fois une gueule c'est une gueule. On va dire que l'avantage avec une modèle, c'est que il y a aussi un métier et qu'on rentre très vite dans une phase de travail. Voilà. Ok. Et ça, c'est, je pense que c'est important, c'est ce qui permet de vite rentrer dans une phase de travail et d'accéder aussi à ce que l'image commence à ressortir. Parce que voilà, ça ressort pas de suite, il me faut quelques clics un peu pour grimper. Et puis voilà, il y a un moment où les choses se passent, mais voilà, on va dire que une personne dont c'est le métier ou qui a une expérience en tant que modèle, eh bien, c'est plus facile parce que
On se dit, ben voilà, on discute 2 minutes, on prépare le show, tac, et après on commence à travailler, on enclenche dans la session de boulot, et quand c'est fini, c'est fini. Mais on a un vrai temps de travail. C'est parce que voilà, on sait qu'on doit sortir des choses. Quand c'est quelqu'un qui a peut-être pas trop l'habitude, je vais prendre le temps d'expliquer, de revenir en arrière, de donner confiance à la personne. J'ai besoin d'un peu plus de temps, et ces temps-ci, j'essaye d'être plus efficace, de rentrer plus dans des formules de travail immédiatement. Est-ce que l'histoire des gens, c'est important sur les photos, ou tu cherches avant tout un truc physique ou L'histoire des gens, oui, c'est important. Parce que tu vois, tu parlais de ça avec les momies, en fait. Tu vois, tu disais que tu cherchais à reconstruire leur histoire, donc est-ce que... Je crois que l'histoire des gens, c'est eux qui la racontent. Eux la racontent, leur histoire, et ont leur justesse. Moi, il y a des particularités physiques qui vont dire qu'esthétiquement vont m'aider à accéder à certaines choses. Voilà, on va dire que la particularité physique va m'amener vers un chemin, et ensuite l'histoire va finaliser le truc. Voilà, et ça, c'est la magie de la photo, c'est-à-dire que c'est là où on va tous être au même moment avec une pensée commune, avec une interprétation commune et une justesse commune. Et cette histoire, elle est obligée d'être présente, en fait. J'ai pas d'exemple. Parce que coup de chance, toujours travaillé avec des modèles avec qui on arrivait à s'entendre, on avait des chemins communs, donc chacun avait la liberté d'exprimer son histoire pour pouvoir faire une rencontre et sortir une image. Mais voilà, c'est oui, c'est important quand même l'histoire. Ouais. Ok. Une petite remarque de Pierre qui dit incroyable puissance de ces clichés. Trop bien. Merci Pierre. Est-ce qu'on rentrerait pas dans Lightroom? Oui. Est-ce que tu nous montres un peu du Lightroom? Un peu de Lightroom. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une session Lightroom. Je serais curieuse de voir un petit peu ton process. Alors, mon process. Donc c'était le shoot fait avec Isaac. Ouais. En shoot. Tac, 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 tac. Pour moi, c'est plutôt intéressant dans l'idée, c'est que ça permet déjà de voir l'ensemble des images et déjà première organisation et ce qui s'en dégage. Ensuite, là sur ma partie gauche, j'ai plein de petits presets. Alors est-ce que je les voilà, qui me permettent aussi de savoir est-ce que je vais naviguer en fait, est-ce que je me sens bien. Alors c'est souvent il y a certains trucs qui sont des presets que moi j'ai montés, sur lequel après que j'adapte suivant la prise de vue, la carnation de la peau des gens est toujours différente, donc ça change d'une personne à l'autre. Mais voilà, en gros, ce qui est intéressant, c'est que j'ai appris à faire de la photo dans un laboratoire, dans le labo de mon lycée, avec un prof de photo qui peut-être d'ailleurs me regarde. Et en fait, j'ai appris à développer sur les avec Under, c'était dans les bains et tout ça. Et ce qui était cool avec Lightroom et Photoshop, c'est-à-dire que je retrouvais le mélange des techniques que l'on avait. C'est-à-dire que Lightroom me permet de gérer l'exposition, les contrastes, les températures de couleur. Après, il y a le plus qui sont les courbes de niveau, les textures, les ombres, les lumières. Même si avant, on faisait un petit peu du masquage, des choses comme ça, on a quand même un travail de laboratoire. Pour moi, en gros, c'est Lightroom, c'est mon labo. Et après, quand je passe sur Photoshop, c'est quand, avec les selles d'argent et le pinceau, on commence à retaper les visages, les machins, les bidules, et on rentre un peu plus dans la retouche plus profonde. Quoique, en même temps, quand on regarde Photoshop, l'outil densité, je crois que c'est ça, et quand on est pour enlever la densité, c'est une petite tige avec une boule. Ouais. Et c'est ce qu'on avait dans les labos, les cuillères, quand on voulait enlever un peu de densité, on avait une tige avec une boule et on passait au-dessus. Donc, c'est cool. Donc, c'est très marrant que ce soit ces deux logiciels et soit rentrer dans l'univers du photographe et même utiliser certains petits codes rigolos qu'il y avait. Oui, carrément. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. C'est comme les millennials, maintenant, c'est encore des disquettes et des dossiers sur l'ordinateur, tu vois. Ouais. En fait, là, c'est pareil. C'est des symboles que, ouais, c'est qui des viennent de là. Restent, c'est trop marrant. C'est des logiciels hyper performants, donc c'est vachement bien. On arrive à vraiment...
c'est des suites, c'est-à-dire que l'appareil va être performant, le machin, la visite, on a plus de possibilités pour de la retouche, etc. Donc on va un peu plus dans les détails, mais on arrive quand même à retrouver un quelque chose qui est proche de l'argentique. Voilà. J'ai un petit exemple de photo, qui sur lequel je voulais bosser sur comme les tirages au collodium ou un truc comme Ah, ça. c'est cool. Voilà. Et là, alors là, pour le coup, tu n'aurais pas testé de le faire en vrai. Alors, pourquoi je l'ai pas fait? Parce que le tirage au collodium, je Tu connais vois? quelqu'un qui fait ça, et je crois qu'il met genre un quart d'heure par image, ça rate un coup sur deux. Enfin, c'est hyper beau, mais Franchement, ça a l'air vachement moins chiant que ton truc Blade Runner à faire, ah, ça, ouais, non. hein. Non, mais, oui, mais là, on va dire que il y a la Ouais, c'est partie cool. Lightroom pour avoir ce grain d'image, cette tonalité, et il y a la partie Photoshop pour enlever les sourcils, pour refaire ce cadrage, pour travailler sur tout ça. Ah ouais, carrément, ouais. Par exemple, là, si on regarde sur le centre, hop là, l'effet, c'est pas un effet qu'on peut avoir sur Lightroom, c'est un effet qu'on peut avoir sur Photoshop. C'est-à-dire que quand on regarde les images qui étaient imprimées sur les plaques d'argent, à un moment, l'argent commençait à Ouais. sauter et on arrivait sur le négatif de l'image. Ouais. Et ça, c'était un truc qui est fascinant. C'est J'adore quand je trop regarde. beau, ça. Ouais. Et c'est ça que je voulais retrouver. Donc, ben, il a fallu que je passe sur Photoshop à ce moment-là pour aller récupérer le négatif à un endroit. Tac, pour pouvoir le bosser. Mais en amont, j'avais préparé mes tonalités. J'ai un autre exemple sur Lightroom. Alors, qui va être intéressant. Ouais. Voilà. Alors, sur cette séance photo, voilà. Là, on a ce, on va, je vais tabler sur ces trois images-là. Si vous voyez. Hop. Ouais, voilà. En gros, voilà, j'ai ma prise de vue, mais voyant ce type de, donc avec la modèle et tout ça, j'aime bien les photos de Saodec. Donc je me suis dit, c'est cool, comment Saodec, machin, ses couleurs, tout, et couleurs hyper fortes, hyper claires. L'idée, donc je vais vous montrer la photo finale qui est là, voilà, qui est vachement plus tranchée que mes deux images au départ, qui sont là. Ouais. En gros, l'idée, c'était, il m'a toujours semblé que Saodec faisait ses photos en noir et blanc et repeignait par-dessus après. D'accord. Donc, j'ai essayé de trouver le bon noir et blanc en premier sur Lightroom, trouver les bonnes couleurs sur Lightroom pour faire mes deux images, je les ai exportées les deux, je les ai superposées. Une fois que c'est superposé, j'ai trouvé le bon ton, et après, parce que ça me permettait de guider un peu mes couleurs, et ensuite, j'ai forcé ensuite certaines tonalités, par exemple au niveau des pommettes et tout ça, et pour faire Ouais. remonter la douceur. Et après, sur Photoshop, j'ai donné des pointes de lumière dans les yeux, les petits trucs. Voilà. Toutes ces petites choses qui font que, en fait, on peut reprendre des procédés anciens. Attends. Voir si je te suis. Donc du coup là, en fait, t'es parti de. Donc à ta prise de vue, ta photo, elle était en couleur. Tu l'as mise en noir et blanc. Et t'as repeint par-dessus pour maîtriser complètement les couleurs. J'ai fait C'est noir et ça? blanc, j'ai repris une photo couleur la même que j'ai replacée par-dessus et que j'ai repeint encore pour avoir D'accord. la deuxième tonalité possible. Ok. Parce que si tu notes bien dans les trucs de Saodec, on dirait que la couleur elle bave par rapport à la flotte. Ça doit être assez aquatique de manière une bosse. J'ai pas regardé encore, mais il y a un côté genre où la couleur se diffuse. Et donc c'est pour ça que là sur ces parties-là en fait la couleur diffuse. Je voulais avoir cette diffusion. Si je l'ai pas, on est perdu. En fait on a juste une photo repeinte. Donc il faut garder ce côté aquatique. Donc c'est vachement voilà, il fallait que je trouve la bonne combinaison. Donc ça prend un temps Comment de. tu l'as du coup ce côté aquatique? Il est à quelle étape? Il est à l'étape, je sais pas, c'est comme quand tu fais un gâteau et qu'à un moment tu te dis tiens, ça manque un peu de sel, Ouais. de sucre. Ben voilà, c'est ça. Oui, donc tu rajoutes, tu as la brush, tu repeins un petit peu. Après, je donne des nuances, Ouais. travail. Et puis après j'ai des, je fais des photos des fois de plaques de peinture aussi. Ouais. Je remets par-dessus pour avoir un peu le côté aquatique parce que ça donne. Ok. C'est cool. Est-ce qu'on peut zoomer dans l'image pour voir les détails? Ah, trop cool. Ce qui est vachement bien quand même, c'est que bah, maintenant on a des outils hyper performants, donc on a une qualité qui est top. Ouais, c'est fou. Est-ce qu'on peut, on a le droit de voir un avant-après pour qu'on se rende compte? Ah, c'est mal de faire ça. Alors, attends. J'essaye. De cacher tout, ouais. Alors, juste pour faire apparaître. Ah non, mais c'est pas ça, c'est juste que Ouais. je sais pas que je peux cacher
cacher quoi que ce soit, c'est surtout que c'est la foire. J'ai rien Ah rangé. Oui. Non, mais sinon, en fait, t'es pas obligé de ranger. Tu peux juste mettre sur ton calque d'origine le arrière-plan 0 et tu cliques juste sur l'œil. Ah oui. Voilà, en fait. Voilà, okay. Là, au point de départ. Okay. Ah, c'est cool. Et du coup, pour le petit tip, si tu veux tous les faire réapparaître là. Ah bah, je vais vous les faire au fur et à mesure. Ah, ah oui, carrément. Sinon, tu connais, tu appuies sur Alt et tu maintiens l'œil et ça fait le. Ah oui, c'est vrai. Je ça fait le avant après. Voilà, tu vois, là, il y a des effets de négatifs qui sont placés, quelques lumières qui remontent. La petite lumière. J'ai mon exposition. Et là, je fais la colorisation. Et la colorisation, il y a plein de choses. Hein. Voilà, je rajoute une image par-dessus teintée, ce qui était mon image de base. Ouais. Et après, je reteinte la peau encore un peu plus. Je vais chercher une tonalité globale. En général, je mets un aplat sur l'image pour uniformiser. Si tu colorises tout un peu en vrac, ça fait des patchworks. Donc, il faut un peu donner des tons globaux. Tac. Voilà. C'est des tout petits trucs. Après, ouais, c'est marrant, c'est plein, plein, plein de petits trucs et à la fin, ça fait un. Ouais, alors ce qui est juste compliqué, c'est que quand tu veux répéter ce truc-là sur plein d'images, il faut bien retenir la technique. Le process, ouais. Ouais. Par exemple, là, il a fallu que je retienne le process. Mais en même temps, ce que j'aimais bien dans cette image-là, c'est par exemple, tu vois, le jean, comment il est, la couleur. Ouais. C'est vraiment une couleur de colorisation de vieilles estampes, tu sais, les vieilles estampes que tu ouais, trouves carrément. Orientalistes, où, par exemple, au Japon, ils repeignaient une partie du kimono et c'est bleu, ils étaient limite explosifs. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, tu vois, c'est, d'un coup, tu vas rechercher des petits trucs comme ça. J'ai plein, plein de vieilles photos que je regarde à chaque fois, comment c'est fait. Ça. Ouais, carrément. Est-ce que t'as vu dans les nouveautés, là, si je dis pas de bêtises, maintenant, il y a une option colorisation automatique des vieilles photos? Et ah en non, fait, j'ai tu pas. retrouves cet effet où, ouais, si tu mets ton Photoshop à jour, il y a un, il faut que tu regardes ça. On avait fait une session sur Max. Il me semble que c'était Mr. Cup qui avait présenté ça. On va vous partager ça. Et en fait, voilà, il y a une nouveauté et ça reprend donc les anciennes. Si tu charges une ancienne image, tu cliques sur coloriser et ça te donne cet effet. Ça peint tout seul en mode les vieilles photos, quoi. C'est trop marrant. C'est vraiment cool. Bon, alors, j'essaierai. Oui, non, mais c'est rigolo, ça me fait penser à ça. Après, si, un truc qui est hyper important aussi, par exemple, j'y pense en voyant, mais par exemple, les fonds, je me suis aperçu que même en photo, suivant où on prenait, je suis plus à l'aise sur un fond peint. Un fond en carton, je trouve qu'on a une résonance lumineuse qui est particulière. Mais voilà, c'est tout. En fait, c'est couillon, mais. J'ai l'impression que c'est un mélange de bricoles pour arriver à une image, mais que cette bricole, elle doit être quand même assez sérieuse pour arriver à un truc. Mais enfin voilà, plus on y met les mains dedans, et plus on est réaliste en fait. Et je pense que c'est pour ça aussi que bah, dans l'histoire de Blade Runner, l'idée c'est d'avoir vraiment l'effet. Quoi. Ouais. Et ce qui sera encore plus fou, c'est que j'arrive à faire un effet que je puisse porter avec la caméra et pas que tout soit sur pied. Comment ça? Ben, c'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à avoir mon petit miroir devant l'appareil avec un système qui soit clippé pour avoir après juste bougé ma lumière et me caler et que je puisse shooter un peu là-bas. Oui, carrément. Ouais. Ça, c'est plus tard. On sent que ça charge encore dans le fond, tu vois, qu'il y a encore. Ouais, mais je vais peut-être me rater. En train de faire. En plus, je vais peut-être me rater, c'est ça qui est génial. Ouais, mais ce qui est cool, c'est de le faire en fait, c'est le process. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Je dis pas que je pleurerai pas après s'il me rate, mais. Ouais, mais au moins, tu seras allé au bout de ton truc. J'ai une question. Alors, attends, j'ai vu une question piquée. Piquée, comment ça? Qu'est-ce que j'ai lu ce piqué de Pierre et du coup, ça a collapsé mes neurones ensemble. J'ai vu une question de Joël qui dit « Comment tu passes de l'anthropologie à la photo? C'est quoi le déclic ?» Joli, je demande. Non, en fait, j'ai toujours fait de la photo. Ça, c'est faisait partie du truc. Et l'anthropo, il y avait un petit côté documentaire d'Arte, en fait, comme quand on regarde un truc fascinant sur Arte sur lequel on n'est pas du tout branché. Un soir d'insomnie à 2h du matin. Ouais. Mais non, mais en fait, je crois que c'est ça fait partie. C'est la photo, c'est aussi un témoignage de quelque chose.
Et je crois que quand on fait de l'anthropo, on va chercher le témoignage d'une civilisation, on va chercher le témoignage de quelque chose. Et alors, dans le mon petit cas, voilà, quand je faisais des trucs sur les rites funéraires, en fait, c'était vraiment toute la vie qui était représentée dans un rite, c'est-à-dire comment la personne avait vécu, ce qu'elle devait faire après, comment a été sa vie, pour accompagner dans un après. Et c'est ça, et c'est, on le sent quand on regarde les estampes japonaises de Kuniyoshi Yokosai, c'est quelle est leur vie, ils représentent leur vie, et puis après ils la racontent, et puis après ils la retraduisent. Mais on peut remonter la vie de quelqu'un par son art, on peut remonter la vie de quelqu'un par son métier, on peut remonter la vie de quelqu'un par sa chaise, comment il s'est assis. C'est tout ça. Et je pense que ben, la photo, en fait, c'est pareil. En fait, ça fait partie de ce chemin-là. On est... Voilà, c'est du témoignage. Ok. Voilà. Ben, écoute, merci. Pierre dit, ça me fait penser à Witkin. Impressionnant. Ouais, il y a un petit côté Joël Peter Witkin. J'adorais ça. Mais lui, il est dur. Dur. Lui, il rigole pas dans les mises en scène. Il a des limites... qui sont bien au-delà des miennes. Parce que moi, si je dois baisser quelqu'un, ce sera de la retouche. Hein? Okay. Non, je ne dis pas qu'il baisse les gens, mais il y a quand même des photos avec des corps qui sont des cadavres. C'est des vrais, quoi. Il n'a pas enlevé ce Photoshop. Ok. Donc, voilà. Oui, j'adore ce qu'il fait. J'adore ce qu'il fait comme Nebreda. J'adore le travail de Nebreda, même si c'est hyper dur. Mais là, c'est même de la performance. Voilà, c'est eux, ils sont dedans, ils sont dans la... Voilà, c'est hyper dur. Je suis admiratif de leur travail, mais voilà, ils ont une autre approche. En plus, Witkin, je crois qu'il est quelqu'un d'Amérique du Sud qui travaille beaucoup, ben voilà, qui s'est, avec, il se confronte pas mal à la misère, à des choses comme ça. Et, voilà, il a une approche il est factuel, quoi. C'est brut, le truc, bam, ça rentre. Ouais. J'irai voir après, j'ai pas les images en tête là. J'irai jeter un œil après. Alors Franck nous dit, un jour on prendra le temps de repasser sur les compositions de calque pour les process. Si ça vous intéresse, je monte ça pour la rentrée. J'avoue, Franck il m'a montré les compositions de calque et maintenant je m'en sers tout le temps. Ah. Et ça c'est fou. Voilà. Ah bah en plus tout le monde est d'accord. Je regarde si on a d'autres questions. Jamila dit, c'est toujours très instructif ces lives. Elle est très contente. Voilà, je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Si vous avez des questions, c'est les dernières minutes, alors n'hésitez surtout pas. Moi, je pense que j'ai encore plein de questions. Est-ce que tu aurais quelque chose dont tu aurais envie de parler sur... voilà, il reste quelques minutes un peu abordées et qui te tient à cœur. C'est le moment. Je sais pas, on a abordé plein de choses, non, c'est cool, c'est un métier qui est trop chouette, déjà la photographie, il y a encore plein de choses à faire, il y a encore plein de choses à étudier, ça je trouve ça hyper enrichissant, je m'aperçois qu'il y a, tous les jours je découvre d'autres photographes qui sont hyper bons, des hyper jeunes qui arrivent et qui ont une super vision, qui ont des choses à faire. Voilà, c'est bien parce que c'est un métier qui avec l'actualité quand même pose des questions. Est-ce qu'on peut faire des images de tout le monde et tout ça? Donc voilà, c'est intéressant. Mais je pense que c'est un métier qui a plusieurs entrées, qui a plusieurs vecteurs de communication, qui sont voilà, c'est un métier que je conseille à plein de gens. Voilà, si vous pouvez le faire avec le plus de respect possible, tout ça, ben ouais. Allez-y. Bah écoute, carrément vendu. Je suis d'accord. Trop bien. Je regarde encore tes images là, je trouve ça hyper cool. Je regarde son ami. Voilà. Pierre dit avis aux sensibles, Winkin c'est dur. Franck dit oui, c'est vraiment cool, on apprend tous les jours des choses sur les Adobe Live. Franck dit, j'espère que les gens qui cliquent depuis tout à l'heure ont bien compris que la session du jour n'était pas à mettre entre toutes les mains. Tu crois? Oh. Je sais pas. Je sais pas. Ça, c'est très bien. Ta petite nièce de 4 ans. Ça, c'est plus Wilkins. Voilà. Okay. Ce genre d'imbriquement. Ouais. Trop bien. J'adore. Il y avait une expo sur Paris il y a quoi? Il y a 10 ans à la bibliothèque Jean-François Mitterrand.
C'était incroyable de voir ça en vrai. Enfin, il y avait des trucs, des tirages d'argent sur des plaques métalliques avec un vernis, on aurait dit des icônes. C'était un truc de dingue à voir. C'est vachement bien. Trop bien. Eh bien, écoute, on va. Merci, c'était vraiment chouette. Ben, merci à vous. On a appris plein de trucs. C'était vachement beau. Merci à Dire. tous ceux qui étaient dans le chat. On vous envoie plein de bisous. Et puis, on vous retrouve lundi. Qu'est-ce qu'on a lundi? Lundi, on a du branding avec Mélissa Zambrana. Et là, est-ce qu'on a Franck à 16h? Oui, il me dit oui. On a Franck à 16h pour un art and talk. Allez, donc, c'est l'heure du goûter et vous revenez après. Voilà, et ben bisous tout le monde. Merci beaucoup Nicolas d'être venu, c'était hyper cool. C'est cool, merci à vous. C'était trop chouette. Allez, bon week-end et moi je vous vois lundi et restez là pour Franck dans 1 heure. Bye.